Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, nous entendrons la première réaction de Mgr François Jacolin, nommé aujourd'hui par le pape François évêque de Luçon. La situation en Ukraine au cœur des prières de la messe annuelle de l'œuvre d'Orient. Et puis un reportage dans le diocèse de Strasbourg après le résultat de l'opération de comptage des fidèles dans les paroisses. Les Irlandais se sont massivement exprimés pour le droit à l'avortement vendredi dernier. Alors, quel est le défi pour les défenseurs de la vie aujourd'hui? Comment peuvent-ils être écoutés, entendus? On en parle avec Caroline Roux, directrice de Vita International. Et on débute cette édition en Belgique avec l'attentat qui a frappé le centre de Liège ce matin. À quelques centaines de mètres de l'évêché, un homme a tué trois personnes, dont deux policières. Il a été ensuite neutralisé par les forces de l'ordre alors qu'il s'était retranché dans une école. Une enquête pour infraction terroriste a été ouverte. Deux veillées de prière en mémoire des victimes ont eu lieu à l'église des Bénédictines et à l'église Saint-Barthélemy à Liège. Quelques heures plus tôt, dans un communiqué, Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, a fait part de ses condoléances aux victimes et à leurs familles. Ma réaction, c'est d'avoir été véritablement secoué parce que c'est une tuerie d'une grande violence qui s'est produite dans la ville de Liège. C'est le tissu social qui, en quelque sorte, est mis au défi. C'est en particulier des enfants d'une école qui ont été menacés. Ce sont des policières qui ont été tuées. Et donc c'est un moment de grande violence qui choque en quelque sorte, qui touche d'ailleurs profondément toute la population. Et je voudrais me rendre solidaire de l'émotion de toute la population face à ce déchaînement de violence. Au-delà des condoléances, au-delà des sentiments que nous exprimons et qui sont très importants, au-delà de la reconnaissance aussi pour les interventions des forces publiques et le courage des policiers, on fasse aussi un moment de spiritualité, un moment de prière, on prie pour les victimes, on prie pour les familles, on prie pour la paix dans la société. Ça me paraissait très important. Et c'est pourquoi la communauté Saint-Égidio était vraiment adaptée magnifiquement à la situation. Elle a une prière tous les vendredis à Liège. Et c'est une prière pour la paix, c'est une prière qui aujourd'hui sera vraiment, est vraiment dédiée à la dimension de la paix après cette violence. Et nous aurons une prière, nous avons une prière également chez les bénédictines, qui est une prière de la communauté des religieuses bénédictines du centre-ville, située à peine 100 mètres de l'endroit du meurtre. Donc c'est vraiment important d'avoir des prières en lien direct avec la réalité qu'on a vécue. Le patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient est actuellement en France pour une visite officielle. Le cardinal Béchara Boutros-Rahi est arrivé hier midi. On le voit sur ces images à la descente de son avion. Les maronites cultivent depuis des siècles des liens privilégiés avec la France. Par exemple, l'intervention française pendant la guerre du Liban s'inscrit dans cette relation politique. Il y a quelques heures, le cardinal Rahi a rencontré le président de la République, Emmanuel Macron. Ce matin, il s'est notamment entretenu avec l'archevêque de Paris, Mgr Repetit. Le cardinal Rahi, qui s'exprimera devant les journalistes demain, mercredi, nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Mgr François Jacolin, nommé ce jour évêque de Luçon par le pape François. À 68 ans, il succède à Mgr Alain Castet. Il avait démissionné en octobre dernier après des ennuis de santé. Mgr Jacolin était jusqu'à présent évêque du diocèse de Mende. Il a été ordonné prêtre en 1982 pour le diocèse de Bourges. Depuis 1984, il est membre de la Congrégation des missionnaires de la Plaine et de Sainte-Thérèse, dont il a été nommé supérieur diocésain en 1996. Il a eu de nombreuses fonctions, notamment comme aumônier auprès des gens du voyage ou encore comme délégué épiscopal du renouveau charismatique. Et il a été nommé évêque en janvier 2007 et consacré en mars de la même année. On écoute sa réaction ce matin après sa nomination à Luçon. J'ai réagi avec petite inquiétude au cœur, je dirais. Voilà, à 68 ans, repartir pour faire un nouveau diocèse, faire connaissance avec les gens et comment essayer de faire quelque chose avec eux. Voilà, c'est un vrai défi. Mais en même temps, bon, j'ai toujours eu confiance dans les appels de l'Église. Et pour moi, je ne pouvais dire que oui. Retrouvez l'intégralité de son portrait sur notre site internet. Et puis j'ajoute que l'installation de Mgr Jacolin aura lieu dimanche 15 juillet en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Luçon à 16h.
Et puis vendredi, le pape François a nommé Mgr Vincent Dolman comme archevêque coadjuteur de Cambrai. Depuis 2012, il était évêque auxiliaire de Strasbourg. Il va désormais seconder Mgr François Garnier, atteint d'une leucémie. Le 30 décembre, l'archevêque de Cambrai avait annoncé sa maladie dans une lettre. Quelques jours plus tôt, au quotidien La Voix du Nord, il disait avoir demandé au pape la nomination d'un évêque coadjuteur en vue de sa succession. Et c'est avec émotion qu'il s'est exprimé sur la venue de Mgr Dolman vendredi dernier. Ce vendredi matin, Mgr Garnier avait donné rendez-vous à la presse. L'objectif, annoncer l'arrivée prochaine d'un nouvel archevêque à Cambrai, Mgr Vincent Dolman. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'il s'est adressé à son successeur. Un très grand merci. Alors vous avez son nom. À Mgr Vincent Dolman, je viens de l'avoir au téléphone. Évêque auxiliaire de Strasbourg depuis plus de 6 ans. D'avoir répondu à l'appel du pape François. Je voudrais vous dire tout de suite que je l'aime beaucoup. Mgr Dolman sera dans un premier temps évêque coadjuteur avant de succéder à Mgr Garnier. J'espère avant Noël pouvoir devenir moi-même archevêque émérite, comme on dit, en retraite, quoi ça veut dire, et lui laisser toute la gouvernance un peu de ce diocèse. On se réjouit de ce qu'il s'inscrive, et sa première lettre aux diocésains le montre bien, dans la continuité de ses prédécesseurs, Mgr Jacques Delaporte et Mgr François Garnier, et puis aussi de tout ce qu'il va apporter de nouveau, eu égard à ses origines alsaciennes, à son ministère actuel, et à ce qu'il va pouvoir aussi nous donner de ce qu'il a de meilleur en lui. Et depuis l'Alsace, Mgr Dolman s'est lui aussi exprimé sur sa nomination. Dans ma vie d'évêque et dans mon ministère, naturellement, c'est nouveau un grand saut, presque dans l'inconnu, comme il y a 6 ans quand j'ai été appelé à l'épiscopat. D'abord, je compte naturellement sur leur accueil et sur leur accompagnement, comme le fait déjà Mgr Garnier, notre archevêque. Mgr Dolman sera accueilli dans le diocèse de Cambrai le dimanche 10 juin à la maison du diocèse de Rheims. En Belgique, le tout nouvel évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles pour le vicariat du Brabant flamand, Mgr Van Oute, sera ordonné le 2 septembre en la cathédrale de Saint-Rombaud de Malines. Il a été nommé le 18 mai par le pape François pour succéder à Mgr Lemens, décédé il y a un an. Mgr Van Oute est l'actuel vicaire général et délégué épiscopal pour les paroisses du diocèse de Bruges et il continue sa mission jusqu'en juin, mais déjà il pense aux défis qu'il aura à relever. C'est un grand défi, l'évangélisation dans le monde d'aujourd'hui. Je parle surtout de notre situation en Belgique et en Flandre, où l'Église a connu, il y a 50 ans, une grande période, de domination. Elle était bien vue, elle avait beaucoup de pouvoir. Tout cela a changé très, très fort. Et aujourd'hui, il faut de nouveau chercher notre position, notre place dans cette société où la foi, et surtout aussi la foi chrétienne, n'est plus évidente. Donc c'est à nous de trouver une nouvelle position, de présenter et surtout de vivre l'Évangile dans cette société. En Ukraine, les violences ont repris dans la région du Donbass. Depuis quelques semaines, les combats s'intensifient entre séparatistes militaires russes et soldats ukrainiens. 3 d'entre eux ont été tués le week-end dernier. La guerre en Ukraine, commencée en 2014, a le bilan très lourd de 10 000 morts. Et c'est justement pour la paix dans ce pays que la messe annuelle de l'œuvre d'Orient a été célébrée dimanche à Notre-Dame de Paris, selon le rite gréco-catholique de l'Église ukrainienne. Mgr Boris Gudiak, l'évêque de l'éparchie Saint-Vladimir le Grand de Paris, a présidé la messe dans une cathédrale pleine et dans son homilie, il est revenu sur la situation en Ukraine. C'est une guerre hybride féroce, où mensonges et manipulations sont autant d'armes que les obus et les balles des terreurs d'élite. Dans 2 semaines, notre communauté ukrainienne de Paris fera mémoire de Vassil Slipak, chanteur à l'Opéra de Paris, mort d'un tir de sniper sur le front de la guerre en Ukraine. La mort de cet homme de talent nous montre, une fois de plus,
clairement que la guerre n'est pas loin à l'est, qu'elle est en fait proche de nous. Elle nous montre que nous sommes tous appelés à défendre notre dignité reçue de Dieu et la liberté de notre Europe fondée sur les principes chrétiens. Et à la fin de la messe, l'œuvre d'Orion a décerné son 7e prix littéraire. Il récompense des œuvres traitant avec espérance de la situation des chrétiens d'Orient. Dimanche, deux ouvrages ont été récompensés. Celui de Jéromoine Élisée, qui est venu chercher son prix dans la catégorie universitaire pour son livre « Le monachisme d'Orient » aux éditions du Cerf. Dans la catégorie grand public, c'est le frère dominicain Emmanuel Patak-Simon. Il a été récompensé pour son ouvrage « Itinéraire d'un chrétien d'Orient, citoyen de Mésopotamie » aux éditions L'Harmattan. Et puis une mention spéciale a été décernée à l'unanimité à Christophe Oberlin pour son ouvrage « Chrétien de Gaza », un écrit actuel et un regard positif et plein d'espoir pour les chrétiens de Gaza. Le constat qu'on fait, c'est que c'est une société qui est très mal dépeinte et c'est la raison pour laquelle j'ai fait une demi-douzaine d'ouvrages sur ce sujet, et celui justement le dernier sur les chrétiens de Gaza, car on ne s'imagine pas que ce sont des gens hautement éduqués, avec une médecine sophistiquée. On n'en voit que des images de violence, on les diabolise, et donc c'est pour casser un petit peu toutes ces idées reçues que j'ai, dans un premier temps, raconté l'histoire du christianisme à Gaza, et dans l'autre moitié du livre, eh bien, donner la parole à des chrétiens de Gaza. Ce sont des chrétiens orthodoxes dans leur immense majorité, et donc ils ont un lien avec la communauté musulmane qui en fait une seule et même communauté de Palestiniens arabes. Parce que c'est une véritable fusion sociétale. Cette fusion, un autre exemple, l'office orthodoxe a lieu le vendredi matin et non pas le dimanche. Et à la sortie de l'office, eh bien, on entend l'appel à la prière des musulmans. Et donc, c'est le moment où tout le monde se retrouve devant la mosquée, sur le parvis de l'église, donc dans une harmonie complète. D'une certaine façon, Gaza a des leçons à nous donner en matière de tolérance et en matière de relations interreligieuses. La Société française d'accompagnement et de soins palliatifs a annoncé vouloir saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Les soignants engagés dans le soin palliatif dénoncent le traitement de la question de la fin de vie dans plusieurs émissions du service public et demandent plus de pluralisme dans les débats. Il est stupéfiant que l'on puisse revendiquer la pratique d'activités illégales impliquant la mort de personnes. Il est inadmissible que ces pratiques illégales soient présentées sous un jour favorable sur une chaîne du service public. Public, souligne le communiqué de l'ASFAP. Le nombre de pratiquants réguliers en Alsace en baisse, mais le nombre de laïcs engagés est en nette progression. C'est ce que l'on peut retenir des chiffres publiés en fin de semaine dernière par le diocèse de Strasbourg. Arrivé en poste il y a un an, l'archevêque de Strasbourg, Mgr Ravel, a voulu un grand comptage pour le diocèse, une grande première avec un objectif, comprendre la réalité pour mieux s'adapter. Les chiffres, on les connaît désormais. 55 000 Alsaciens vont à la messe tous les dimanches, soit environ 5% des catholiques de la région. C'est plus que la moyenne nationale qui est inférieure à 2%, mais ça reste peu. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls chiffres en baisse. Moins de baptêmes, moins de mariages, moins de prêtres aussi. La question n'est pas de savoir si le verre est à moitié plein ou à moitié vide. La question, c'est de savoir combien il y a d'eau dans le verre. Et puis à partir de là, chacun s'exprimera. Et c'est une position extrêmement chrétienne. C'est-à-dire que le chrétien est un homme réaliste qui ne fonde pas son espérance sur des illusions en disant « ça va repartir, mais si, ça va ». Non. C'est « quels sont les chiffres ?» Signe très positif en revanche, la nette augmentation du nombre de coopérateurs laïcs depuis 30 ans. Une sorte de compensation presque mathématique, par exemple, entre le nombre, la diminution du nombre de prêtres et l'augmentation de laïcs impliqués, soit à titre professionnel, ce qu'on appelle nos coopérateurs, sur des postes de ministres du culte, donc concordataires, soit c'est le statut alsacien, soit aussi dans les nombres de bénévoles, c'est tout à fait étonnant, qui sont là dans nos paroisses, animateurs, animateurs de chant, animateurs de communauté. La méthode aura été assez simple. Sur deux week-ends consécutifs du mois de mars, tous les prêtres du diocèse ont été chargés de comptabiliser le nombre de personnes présentes à la messe. C'est le cas du père Didier Munzinger, également vicaire épiscopal de Strasbourg, qui est loin de s'alarmer pour autant. Donc je vis ça très très positivement. Et puis voilà, il ne faut pas voir cet exercice négativement, mais il y a un moment donné où il faut savoir où on met les pieds, ou avec quelles personnes on peut travailler. Donc c'est un exercice qu'il faut faire
très positivement et il faut rendre grâce pour les personnes qui sont là. Une réflexion sur le réaménagement des paroisses est sur le point de débuter. L'objectif est également de continuer le développement de la place des laïcs dans l'église alsacienne. On poursuit cette édition avec la chronique du Monde et la sortie de deux films sur l'accueil au Canada. Bonjour du Québec, je vous parle de deux films aujourd'hui. Le premier, produit par une petite boîte de la région de Québec qui s'appelle Les Vues du fleuve, ça s'appelle La Maison des Syriens. Alors, c'est tout le processus qui a préparé l'accueil de réfugiés syriens dans la région de Portneuf, qui est une région rurale à l'ouest de la ville de Québec. Et c'est une communauté catholique qui a été vraiment, je dirais, la cheville ouvrière autour d'un diacre, Gilles Pellerin. Et puis, c'est l'attente de pouvoir avoir cette famille-là. Elle est désirée. Et finalement, elle arrive. C'est vraiment une belle histoire qui a eu, dans les médias, plusieurs échos et des diffusions, plusieurs qui sont dans des centres communautaires, dans Portneuf, dans les cinémas de Québec aussi. Et vraiment un message qui ouvre le cœur de plusieurs communautés paroissiales qui seraient aussi tentées d'ouvrir leurs portes à des réfugiés de Syrie ou d'ailleurs. L'autre film dont je veux vous parler, c'est le fameux documentaire sur le pape François, un homme de parole qui s'en vient chez vous le 12 septembre prochain. Mais au Québec et en Amérique du Nord, nous l'avons déjà depuis deux semaines. Fait très, très heureux de voir que, bon, ce type de documentaire, on avait annoncé aux gens, allez-y à la première semaine parce qu'il pourrait disparaître rapidement. À Québec, c'est dans un cinéma très commercial où il est présenté pour une deuxième semaine déjà. Et toutes les personnes qui l'ont vu l'ont vraiment beaucoup apprécié. Un témoignage du pape François, vraiment émouvant de le voir comme ça nous parler directement sur grand écran. Une belle réalisation de Wim Wenders. Alors, soyez patients, le 12 septembre, ce sera sur vos grands écrans. Merci Jasmin Lemieux-Lefeuvre. Tout de suite, c'est notre dossier. Vendredi, les Irlandais se sont donc prononcés par référendum à une très forte majorité en faveur de la libéralisation du droit à l'avortement. Dans ce pays à forte tradition catholique, près de 67% des électeurs ont voté pour un changement de la Constitution. Caroline Roux, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directrice de Vita International. Le résultat en Irlande est sans appel. Ni les associations pro-vie, ni les déclarations d'Église n'auront su convaincre les Irlandais. Alors, comment est-ce que vous comprenez cela? Alors, d'abord, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a encore un tiers des Irlandais qui votent pour le maintien d'un droit à la vie dans la Constitution. Parce que depuis plusieurs années, et particulièrement ces derniers mois, il y a eu un rouleau compresseur à la fois médiatique. Tous les médias étaient en faveur de cette modification de législation, mais aussi les partis politiques, tous les chefs de partis politiques, même de l'opposition. Et puis il y a eu de fortes pressions internationales. Amnesty International était très impliquée. L'année dernière, une commission de l'ONU a dit que la loi irlandaise était inhumaine et cruelle. Donc ça allait très loin. Et puis la manière dont, évidemment, il n'y a pas eu de débat de fond, c'était vraiment très idéologique, la manière dont ça a été posé. Donc l'Église catholique, les associations... L'Église, elle a sûrement perdu du terrain hein, depuis, comme dans tous les pays, donc elle est plus sécularisée. Il y a eu les affaires aussi, peut-être, qui ont pu jouer peut-être, là-bas. Peut-être, je ne suis pas forcément, il faudrait poser des questions à des Irlandais directement, mais attention à ne pas enfermer ce débat autour de l'avortement simplement dans la religion, parce qu'il s'agit d'un enjeu social, d'un enjeu humain, et là, les termes du débat n'ont pas été posés. Et je pense que les Irlandais, le peuple irlandais qui est généreux, qui est sensible, a intégré depuis des années toutes ces critiques qui étaient faites sur leur pays. Alors, on peut peut-être le préciser, hein, les Irlandais ont voté pour un droit à l'avortement dans trois situations. Hein, c'est bien cela, le viol, l'inceste et la malformation de fœtus. Maintenant, il va y avoir une discussion de ce projet.
C'est cela. Alors, ils n'ont pas voté pour ça. Et justement, vous soulevez un grand malentendu et la manière dont ça a été traité par les médias. C'est-à-dire ce qui a été mis en avant, c'est des cas dramatiques de viol, d'inceste, qui sont heureusement extrêmement rares. Et puis, un cas très médiatisé d'une femme qui est morte à la suite d'une fausse couche. Mais en fait, on a découvert, donc on a dit, c'est parce qu'on n'a pas voulu faire d'avortement. Enfin, il y a eu un... Et à l'époque, ça a été très manipulé, c'était en 2013, par les pro-avortements. Et puis finalement, après une enquête, en fait, elle est morte d'une septicémie et c'était extrêmement douloureux. Elle avait 31 ans, mais parce qu'elle avait été mal prise en charge par l'hôpital. Mais ça n'avait rien à voir avec l'avortement. Ça, c'est une première chose. Et donc, le projet de loi qu'a préparé le gouvernement, c'est de permettre sans motif, pendant les 12 premières semaines de grossesse, l'avortement. Or, j'ai bien entendu des personnes qui avaient voté le oui à une légalisation, mais c'était juste pour des cas extrêmes. Et je sens que finalement, et ça va être un vrai défi pour les associations et pour toutes les personnes qui vont essayer de minimiser, on va dire, la portée de cette loi, c'est de bien faire comprendre vers où pourrait aller l'Irlande. Et la question aussi, c'est de mettre des garde-fous. Et les garde-fous, on le sait bien, ils tombent. À partir du moment où une porte est ouverte sur un interdit aussi fondateur que l'interdit de tuer, et même si on comprend qu'il y a des circonstances qui peuvent être atténuantes autour de souffrances de femmes, mais nous travaillons beaucoup là-dessus à Alliance Vita, et donc on sait comment on peut aussi aider les personnes. On l'a vu en France, progressivement, finalement, les garde-fous sont tombés, plus d'entretien après IVG, plus de propositions d'aide et des droits aux femmes quand elles sont en consultation d'IVG, on a même supprimé la notion de détresse. Et donc le grand danger, c'est que la société se détourne des vraies souffrances des femmes. Un avortement à la carte, hein, dénoncé par les associations pro-vie en Irlande, elles vont pouvoir être entendues, d'après vous, dans le débat législatif? Alors, on verra, j'espère pour elles, hein, qu'elles pourraient être attendues. Mais le grand défi, je dirais, pour les personnes qui veulent vraiment défendre la femme et puis aussi les enfants, c'est qu'on ne passe pas sur un ton victorieux de l'interdiction de l'avortement à une obligation d'avortement. Parce que c'est ce que, en fait, au fond, c'est ce qu'on a vu dans les autres pays, et particulièrement la France, hein, que je connais bien avec notre service d'écoute SOS Bébé. Donc nous accompagnons des femmes quotidiennement. Finalement, on a voté ces lois en cas de détresse, et finalement, on en est aujourd'hui à l'ère de l'enfant programmé. Et les femmes sont en difficulté face à une grossesse inattendue, souvent avec des pressions sociétales, des pressions de l'homme, le plus souvent. Et donc, il faut le regarder en face, que la banalisation de l'avortement, ce qui se passe, c'est que finalement, l'offre crée la demande. J'ai juste un petit exemple. Il y a quelques temps, on accompagnait un couple, et elle hésitait à avorter, et l'homme lui a dit « Mais pourquoi tu fais toutes ces histoires, puisqu'il y a une loi ?» Et donc, finalement, progressivement, les gens se rendent plus compte que ça peut encore poser des questions, que l'avortement n'est pas un acte anodin. C'est quoi les défis à venir pour les défenseurs dans la vie en Irlande et aussi dans toute l'Europe aujourd'hui? Parce qu'il y a un message un peu montré comme étant ringard, si on lit les médias à droite à gauche. Voilà, le défenseur de la vie, aujourd'hui, il est montré du doigt comme étant ringard hors du temps. Alors, quel est le message? Il y a toute une dialectique qui est habituelle autour de ces sujets, alors qu'il s'agit de la protection des femmes, de la protection aussi des enfants. Et la vraie chemin aujourd'hui, puisqu'il faut continuer à se battre au niveau politique, parce qu'on voit combien des lois peuvent entraîner aller toujours plus loin. Le vrai défi, c'est de faire de la prévention d'aider les personnes, soit à éviter évidemment l'avortement, mais peut-être plus en amont, auprès des jeunes. L'éducation des jeunes est vraiment importante sur une sexualité responsable, parce que finalement, l'avortement, et c'est souvent ce qu'on dit, nous, plutôt un problème vraiment de sexualité, et d'aider les personnes dans l'engagement les uns envers les autres, de savoir qu'une relation sexuelle, ça peut avoir
avoir des conséquences. Et une des conséquences qui peut être bien belle et attendue aussi par beaucoup de personnes, c'est une grossesse. Donc tout ça, c'est peut-être remettre dans la tête, et notamment des jeunes, une meilleure éducation à l'affectivité et à la sexualité. Hier, le pape François a rencontré des médecins. Hein. Il leur a demandé de défendre la liberté de conscience, notamment. Il a aussi insisté sur le droit à la vie. Insuffler une nouvelle culture de vie en Europe, c'est possible pour vous encore aujourd'hui ? Alors, c'est encore possible parce que, d'abord, rien n'est jamais écrit. Et ce que je vois, moi, puisque je dirige Vita International, c'est voir dans chaque pays, il y a des personnes de bonne volonté qui essayent de regarder en face ce qui se passe au niveau de l'avortement, mais aussi plus largement, hein, dans l'harmonie dans les couples, et qui œuvrent pour aider les femmes, les couples qui sont en difficulté. Donc ça donne de l'avenir. Merci beaucoup, Caroline Roux, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez également réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.